Ça m'a l'air de sentir la pintade ici, hein. Je suis toujours dans les terres désolées. Et là, je suis ici, là. Sur l'est, là. Je sens qu'il va y avoir un boss ou un truc caché, c'est pas possible. Parce que là, j'ai descendu tout ça, là. Je viens de tout là-haut, là. Là, c'est vraiment une ambiance totalement différente. Un peu oppressante, là. Et là, visiblement, il n'y a rien. Donc je pense que ce sera pour plus tard, à mon avis. Je pense que ce sera pour plus tard. Alors, est-ce que je peux tout remonter facilement? On va voir ça tout de suite. Donc, en tout cas, l'exploration des terres désolées, c'est très simple mais efficace en fait. En tout cas, il faut prendre le temps d'explorer parce qu'on loot des choses qui sont vraiment indispensables, que ce soit pour les tenues, pour débloquer les tenues de Eve, ou que ce soit des différents exospins qui pourront permettre d'orienter son build et aussi de quoi améliorer ses exospins. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc de retour aux terres désolées. Et là, je peux utiliser les téléphones pour me TP dans différentes zones de ces terres désolées. Mais je ne vais pas. Je préfère faire à pied, évidemment. Déjà parce que je découvre. Et parce qu'il faut vraiment prendre le temps de looter les coffres, trouver les humains, tout ça, c'est indispensable dans ce jeu. Alors moi, je dois aller ici, hein. C'est cette mission que j'aimerais faire. J'ai accès là en face, là, j'ai pas l'impression. Hein. Ah merde, il me le faut lui. Merde, merde, disparaisse pas. D'accord, ok. Ok, bon. Est-ce que je peux lui tirer dessus, mais... Putain. J'ai pas le bon équipement de drone. Alors, comment est-ce que je peux y accéder? Merde.
Donc des fois il y a des ennemis enfouis dans le sol. Ok, d'accord. Ouh, petite révélation là. Apparemment, lui, il remet en doute. Ah ben, tu vois, là, c'est une. C'est une mission. Là, j'ai fait une mission sans vraiment le vouloir. Je fais une quête annexe. Donc là, je vais au panneau d'information. On va voir ce que ça donne. Ah oui, ah, il, carrément, il m'a TP dans la ville. Ah ouais, ouh, quand même. Alors ça c'est bien parce qu'on voit les récompenses, mais du coup là je sais pas c'est quelle quête que j'ai. Bon déjà je vais toutes les accepter. C'est celle-ci à compléter. D'accord, fallait juste valider. D'accord, donc je suis pas obligé d'aller voir les PNJ. D'accord, ok, ok. D'accord, 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 ok. D'accord, ok, ok, ok. J'ai compris. Ok, donc il n'y a pas besoin d'aller voir les PNJ, juste truquer le panneau, ça suffit. Roxanne. J'ai tout acheté là, chez Roxanne, j'ai tout acheté pour l'instant. Ouais, les tenues aussi, je peux pas toutes les activer, mais voilà. Je l'aime bien Roxanne, elle a l'air stylée. Elle trempe dans des affaires louches. Donc là on est dans la ville de Xion. Donc c'est vrai que j'ai pas capturé dans la ville de Xion. Bon j'avais pas prévu. Parce que en fait là ce que j'ai fait c'est que je suis une mission. Une mission secondaire mais c'est celle-ci. Ok, l'histoire d'une recycleuse. Tu vois ? Et c'est en voulant faire cette quête que j'ai complété une autre quête. Et de toute façon, la ville de Xion, il y a une, il y a un endroit que j'ai pas exploré. Par contre, je ne saurais me rappeler c'était où, par contre. Après, la ville n'est pas compliquée à mémoriser. Je vais en profiter pour aller voir la, la fille là, Aya là, j'ai oublié comment elle s'appelle là, elle là. Kaya. Ah oui, voilà. Non, c'est pour elle, la moto. Ouais, c'est sa quête. Ouais, ouais, elle aussi, elle m'a donné une quête qui me semble être importante, là, trouver sa moto. Et elle, qu'est-ce qu'elle vend déjà?
Ah bah c'est un objet de mission, mais pourquoi je l'ai pas acheté? Bah oui. Objet utilisable, ça normalement je suis plutôt bon. On va remplir ça. Ok, les matériaux. Ah oui, elle vend des matériaux pour la fabrication. Ouais, il faut que j'en achète, hein. Faut que j'en achète ça. Ah, ça coûte cher, hein, évidemment. Mais ça augmente ma relation avec elle. Donc du coup, elle va me vendre d'autres choses. Ah ouais, oh là 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 là. T'as vous retirer. J'ai. Et quand je serai niveau 3, elle va me raconter des choses. Elle va me raconter son journal intime, quoi, tu vois. Donc, un accessoire, on prend. Ouais, équiper maintenant. Là, on a quoi? Ça, c'est des boucles d'oreilles. Non. Et ça. Ouais, allez, on va équiper ça. Objet de mission, ok. Est-ce que je peux encore acheter? Ouais, après, j'ai plus de sous. Alors, avant de ne plus avoir de sous, les dégâts infligés par les ennemis. J'en ai pas, j'ai pas pris de ça. Donc voilà, stock épuisé. Ok, c'est bon. Et donc on a dit ça, hop, je lui en achète. Voilà, là j'ai plus de sous là. J'ai plus de sous, mais c'est pour la bonne cause. Ok, bon, très bien. Donc là, je lui ai acheté ce que je lui ai acheté, les polymères. Ça, c'est pour les combinaisons. En fait, c'est pour pouvoir me fabriquer les différents costumes de Eve. Donc ça, c'est cool. Ouais, je crois que c'était ici, hein. Ça descend. Non, c'était pas ici. Bon, il y avait un endroit où ça descend, là, les escaliers. J'ai oublié c'est où, mais bon. Tranquille. En fait, j'aime bien là l'entrée de la ville là ici Xion, j'adore. J'adore, hein. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais cette ambiance gun, cyberpunk, Gravity Rush, je trouve que ça le fait. Et toutes les terres désolées qu'il y a aux alentours. Je trouve que c'est bien. Alors, je pense pas qu'elle ait des choses neuves. Ah, si. Omnivis, extension d'emplacement d'équipement niveau 2. Alors là, ça, c'est de la peufra, mais de ouf. Ok, nano combinaison. Au final, il n'y a que ces deux tenues que je peux pas mettre, hein, au final. Hein. Parce qu'il me faut du polymère extrême, tu vois, 22 sur 25, tu vois. Là, il faut que j'en achète 3. Ok. Ah, celle-ci aussi, je l'avais achetée, d'accord, ok. J'avais oublié. Donc là, j'ai mis celle-ci pour ne pas me faire détecter par les ennemis. Par contre, les modules d'amélioration du drone, j'en ai toujours pas débloqué. Hein. Alors, donc ça, c'est énorme. Voilà. Parce que là, je peux en mettre un troisième. Voilà, réduction des dégâts. Puissance des attaques à distance. Taux des coups critiques. Puissance des enchaînements niveau 2 ou plus. Je vais mettre ça, hein, le bouclier maximum, bonus des dégâts fixes pendant les enchaînements, dégâts sur bouclier, réduction des dégâts, au corps à corps, vitesse. Ah oui, c'est vrai, la vitesse d'attaque, je voulais mettre ça pour tester en fait. Je vais mettre ça, je vais tester vitesse d'attaque. Alors pour les boucles d'oreilles, hein, finalement, je préfère cela, hein, en vrai. Hein. Et là, la combinaison, bah, je peux changer, hein. Celui-là, je l'ai pas encore mis. Bon, celui-là, il fait un peu bad bitch, hein. Bon, vas-y, allons-y, hein. Voilà, on va tout tester. On va tout tester. Allez, on enlève les lunettes. Et je rappelle que dans les paramètres, on peut mettre ses cheveux courts ou longs, hein. Voilà. Ok. Bah, de toute façon, j'ai plus de sous. Pour les compétences, bah, là, je peux pas augmenter. Voilà, j'ai un point de compétence.
Je mettrai où ma commune en cas d'embuscade? Ouais, je vais mettre ça. Hop là, voilà. Parfait, très bien. Allez, on se repose. Après, je mets TP. Je vais essayer de retrouver le. Là, je vais me TP dans les. Alors, je peux pas aller. D'accord, je peux pas aller me TP à l'extérieur. Ça, c'est con, ça, par contre. Hein. Ouais, donc c'est ça qui m'a mis le doute, c'est que, tu vois, il y a le point d'exclamation. Je pense que c'est des missions au travers des PNJ, tu vois. Mission en cours, trouver des chats, d'accord. Là, l'énigme des novices, ok. Très bien. Donc ça, c'est des missions qui sont dans Xion, celle-ci aussi. Ok, d'accord, ok. Par contre, c'est un peu con que je puisse pas me TP à l'extérieur. Je suis obligé de passer par le passage. Ça, c'est un peu con, ça. Très con même. Tu vois? Parce que. Et après, à partir de là, là, je peux aller me TP là où j'étais tout à l'heure. Je peux pas encore me TP à la première ville. Mais je peux me TP ici. Non? Non, je peux pas. Je peux me TP ici. C'est une mission en cours. Et tu vois, il y a aussi des missions que je débloque en me baladant. Ok, très bien. Là, le panneau d'information en face, il le considère pas comme un point de TP. Tu vois, ici, là, c'est pas considéré comme un point de TP. Pourtant, je peux me reposer, hein, tu vois. Mais il n'y a pas de téléphone. Et là, il y a le. Il y a le panneau de requête, là. Pour les quêtes annexes. Tu vois. Mais c'est pas considéré comme un coin de TP. Je pense qu'ils n'ont pas voulu abuser sur les coins de TP pour nous pousser à l'exploration. Là, ici, c'est un téléphone, alors attends. Peut-être qu'il faut que je l'active, hein. D'accord. Tu vas prendre passage activé. Voilà, d'accord, ok. Donc, c'est-à-dire, dès que je vois un téléphone, il faut que je le prenne. Voilà, parce que je me disais bien, ça me semble. J'ai l'impression d'être trop loin. Ok, donc ceci explique cela. Ok. Alors, et ma fameuse mission. C'est quoi ça en bas là? Quoi ça? Ah, il est bloqué. Ça me paraît.
Ambigu, sachant que moi je suis pas confiant là, dans le vide là, comme ça là. Et voilà. Le cri de Ève quand elle tombe, il est magnifique, il est anthologique son cri. Là, faut faire quoi là ici là? Faut que je tire dessus peut-être au loin. Il y a beaucoup d'ennemis là ensemble. Mais tu vois là, j'ai mis l'exospin où il me repère moins. Donc là, bon là, j'ai peut-être foiré. Bien voulu au moins en exécuter un. J'économise hein, les bastos hein, parce que les bastos ça s'achète hein. Je suis pas débloqué un truc, un bête de truc. Ça c'est des bastos, ça je récupère pour chevrotine. Ah, impossible de récupérer pour chevrotine, donc je dois être à fond. Ah, voilà, le module du matériel d'amélioration du drone, enfin. Il me faut plusieurs points. Pour l'instant, j'ai mis les bonus passifs. Enfin, des trucs plutôt des utilitaires, je vais plutôt dire ça. Tu vois, comme étendre le champ de vision du drone. Il va se retourner, est-ce que je vais pouvoir l'exécuter? Non, il va se retourner. Ouais, tu vois. Voilà encore. Je suis à 30 hein, je suis à fond hein. Mon chargeur il est à fond. Voilà, donc il y a ces trucs là. Donc en fait ça sert à voilà, il y a toujours des endroits où on peut où on peut monter. Donc faudrait que je retourne à là où il y avait la tour. Ouais, d'accord, mais tu vois, elle est là ma mission. Ok. Donc, ouais, pas mal de choses là dans l'exploration à faire là dans ce jeu. Par contre, c'est ça qui est. C'est très mal fait. Faut que je le tourne le truc là. En plus, comment elle gémit, c'est un truc de ouf, hein. Calme-toi, Eve, ressaisis-toi. Oui, déjà comment t'es habillé, c'est limite, et si en plus tu gémis comme ça. Attends. Ce truc là, en fait, il faut que je le lâche, quoi, ou quoi? Ouais, voilà, ok. En fait, le garder, rester appuyé sur R2, c'est pour le pivoter. Ok.
Bon, Eve, j'en avais parlé dans la démo en disant que je la kiffe pas trop. Bon, pour l'instant, ça se confirme, hein. C'est pas terrible, terrible, hein, en fait, hein. C'est que. Ah, j'ai eu un polymère, merci. Que voilà, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus badass, mais pas badass juste pour être badass, non. C'est que, bon, elle a vu quand même tous ses camarades se faire trucider devant elle, dont sa mentor, Tachi. Et voilà quoi, tu sais. Et un peu l'œil du tigre, un peu une regard de tueuse quoi, tu vois. Même quand on s'est battu contre le Nightiba Alpha là, contre Giga, bon, voilà, elle s'est battue contre un ennemi comme un autre alors que c'était un Nightiba Alpha quoi. Et que c'est sa mission, c'est de tuer des Nightiba Alpha. Alors, elle est là, cette foutue moto. Donc voilà, je trouve elle manque de caractère, elle manque de personnalité. 바이크를 발견했어. 바이크를 두고 도망칠 수밖에 없었다더니 그새 드론들이 쓰레기처럼 처리해버린 모양이야. 이건 포기해야겠어. Ok, donc là, il faut que je retourne voir Kaya, fouiller la sacoche de Kaya. Ah oui, elle est là. I건 스캐빈저들이 많이 쓰는 트렁크인데. 카야의 소유물이 맞는 것 같아. 잘 됐네. 이거라도 회수해서 돌아가자고. Est-ce qu'il va me proposer de me TP? Ouais, d'accord, ouais. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, comme ça, t'as le choix. Ah, mais en plus, je viens de voir, il y avait un point de... Un camp. Je viens de le voir. Bon, je pourrais me re-TP. Ça, c'est bien, le fait qu'il propose de directement se TP. Évidemment, les temps de chargement sont rapides parce qu'on est sur PS5. Ah super, deux points de compétence, des sous, des polymères extrêmes, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour mon costume. Là, les différents personnages, lui, on l'a pas vu encore en action. Ouais, si elle, on l'a vu. Lily, Adam, Tachi. Je la kiffe tellement, elle. Ah, c'est elle, Roxane, la vendeuse, là. Je suis sûr, elle est jalouse de Eve. Toujours les histoires de jalousie entre meufs. Il y aura toujours ça. Toujours. Ok, donc là il y a la requête. Alors d'abord magasin. Donc ça c'est fait. Donc matériaux, donc le polymère, là j'ai ce qu'il faut. Donc là c'est bon, j'avais fait quasiment le plein. Ok. 동료들이 기다리고 있네. 가봐. 기다려주는 그럼 천사님 힘 고마워 가. 천사님 안녕하세요. 언니가 도와줬. 나도 언니 같은 사람이 있어서. 네 언니는 일머리가. 언니 이름은 카라예요. 자라. 강하고 똑부러진 사람이지. 그러니까 어딘가에서 분명 살아. 분명히 그래요. Ce sujet est actuellement indisponible. Ok, donc je pense qu'il faut qu'à terme je pourrais éventuellement débloquer la mission pour aller chercher sa sœur, ou ça se trouve ce sera même inclus dans le scénario, hein, dans l'histoire principale. Bon, c'est bien. C'est bien, j'aime bien comment le jeu il est fait. J'aime bien, c'est tranquille.
C'est sans grande prétention, ça manque même un tout petit peu d'ambition, certes. Mais bon, voilà, c'est. Au moins, c'est fun à jouer. Et voilà quoi. L'univers, les personnages sont bien, sauf Eve, hein, qui est vraiment. Rien. Après, bon, hein, comme j'ai souvent dit, hein, ça peut peut-être changer. Hein, mais pour l'instant, je ne la kiffe pas du tout. 캔을 가져오셨나요? 제가 미리 준비를 해뒀죠. 응? 준비? 짜잔! 여기 굴러다니던 물건을 주워다 장식장을 만들었죠. 캔은 여기다 잘 모아두면 좋을 것 같아요. 보관과 전시를 동시에 하는 거야? 그렇죠, 그렇죠. 릴리 아르테미스의 일자리는 확실하니까요. Ok. Ah, j'ai déjà des récompenses. Continue plus 1. D'accord. Donc là, j'ai récupéré des canettes. Donc c'est des collectibles là. Et donc Lily, elle en fait carrément une. Un truc. Une vitrine. Ah, d'accord. Et la récompense finale, c'est une combinaison. Ok. Mine intelligente plus 1. Potion continue. Plus 1, d'accord. Ah ouais, ah oui, ah oui, oulala. Ah non, mais là, c'est de la violence, là. Nombre max de mine intelligence, nombre de potions hautement concentrées, nombre max de grenades IEM, de pompes SV, nombre de max de grenades sonic, nano combinaison. Ah ouais, ah oui, d'accord, il faut toutes les récupérer, ces canettes, hein. Oh, il y en a 49. Oh, c'est relou, hein, quand même. J'avoue, je commence un tout petit peu à en avoir marre dans les jeux de ce genre de choses-là. C'est comme récupérer les corbeaux dans God of War Ragnarok, tout ça là, j'en ai un petit peu marre dans les jeux. C'est que s'il y en a 10 à récupérer, il n'y a pas de problème. Mais quand il y en a comme ça, tu vois, des 49, franchement. Et quand Viscade ou charger un ennemi afin d'attaquer, met un ennemi à terre. Ouais, ça peut être pas mal. Ça c'est pour la ruée. Et ça c'est pour les airs. Alors. Ouais, je vais mettre celui-là. Est-ce que le deuxième c'est quoi? Ah ouais, d'accord, carrément. Mais le prochain. Ouais, mon micro, je l'ai débranché un peu sans faire exprès. Donc je peux changer. Lily. Voilà, ça c'est son costume de base et ça c'est un costume alternatif. Ouais, je vais la remettre dans le costume de base. Moi aussi je vais changer de costume. Alors, en fait non, c'est ça, si je voulais, mais voilà les pour la combinaison. Et là, c'est là que c'est vraiment dommage parce que je ne peux pas me TP directement à l'extérieur. Parce que ça aussi c'est con, ici on est quand même dans la ville, on est quand même en intérieur en safe, mais c'est pas un camp de ravitaillement, c'est juste un camp. C'est un peu bête. Tiens, il y a des choses en dessous, on peut descendre. On peut complètement descendre. De toute façon, j'ai pas tout exploré de la ville, hein. Elle est pas hyper grande, mais... Faudrait que je prenne le temps de l'explorer totalement. Rien en dessous, non, il n'y avait rien. Ah oui, d'accord. Donc récupérer les canettes, en fait, ça permet d'avoir plus de grenades. Parce que justement, tout à l'heure, je me posais la question. Par exemple, tu vois, les grenades incapacitantes, je peux en avoir que deux. Et je me suis dit, bon, ben, plus tard dans le jeu, je verrai comment avoir plus de. Eh ben, c'est en récupérant ces foutues canettes, quoi. Tu vois, et là, c'est un camp de ravitaillement. Donc là, j'ai ça qui me permet de débloquer les nano-combinaisons. On va prendre celui-là. Robe cybernétique. Ça ressemble pas à une robe cybernétique, ça. Hein. Et là, tu vois encore polymère extrême. 12 sur 25. Donc il en faut 13.
Donc faut que j'en achète 13. Et tu vois, pour le drone là, j'ai un point. Donc là, je peux acheter le Stinger. Rechargement de l'analyse réduit de 30%. Seulement, il faut quand même 3 points. Sinon, je peux prendre le Stinger. Bon. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Parce que j'ai pas trop envie de me ravitailler. Je vais attendre pour le truc là. Bon, ça, c'est pas du tout une robe cybernétique. Hein. Excuse-moi, mais voilà. Hein. Voilà, là, c'est toutes les tenues que j'ai débloquées. C'est celle-ci ma préférée pour l'instant. Celle-ci et celle-ci en orange. C'est la même, hein, en vert et orange, mais je sais pas, je la trouve un peu plus stylée en orange. Ouais, celle-ci aussi, elle est pas mal. Alors, on va lui remettre des lunettes. Ouais, c'est vrai que je peux changer le drone hein, aussi. On peut changer la gueule du drone, évidemment. J'ai mis le drone Barassi. On va remettre cheveux longs. Ok, très bien. Ok. Je me suis pas reposé. On va se reposer quand même. Alors, je vais retourner là-bas pour activer le camp. Parce que là, du coup, pour les missions... Ouais, plan de nettoyage de la terre, on va mettre ça. Là j'ai l'aura autour de moi là. Alors je vais pas passer par là, je vais passer de l'autre côté là. Histoire comme ça va me faire entre guillemets un peu revenir sur mes pas. Parce que quand j'avais exploré ici, j'étais passé par là. Et là je vais retourner là. Alors attends, ce que je fais faire, est-ce que ça tient debout? Ouais, ça tient complètement debout. En fait, il faut juste aller tout droit, hein, c'est tout. Il hein. Faut juste aller tout droit. Alors je vais en profiter pour retourner dans la petite corniche là-haut. Parce qu'il y avait pas mal de bastons là-bas. Mais il y avait un coffre à récupérer. Là, je vais voir si c'est toujours... J'ai déjà pris un point de compétence. Hein. Ah, là je pouvais l'exécuter.
Là, ici, là, il y avait pas mal de bastons. Je sais pas s'ils vont revenir. Parce que là, dès que tu ouvrais le coffre, là, il y avait plein d'ennemis qui apparaissaient. Bon, évidemment. Là, ils réapparaissent pas parce que c'était scripté. Ok. Bon, très bien. Allez, je vais retourner. Donc, on a dit, c'était ici. Ok. Voilà, comme ça, je vais activer le camp. Parce que activer le camp, ça permet d'éviter voilà, cette phase de plateforme qui est la plus dangereuse au monde pour quelqu'un comme moi. Oui, j'ai du mal avec les plateformes, moi. Voilà, j'aimerais bien. Tiens, il faut que j'essaie de faire ce truc-là que j'ai débloqué quand même. M'a complètement donné des cellules. Hein. Là, j'ai quasiment 2 points de compétence. Hein. Je suis déjà à la moitié là. Ok, en plus, c'est un camp de ravitaillement en plus. Hein. C'est pas juste un camp. Là, on est sur du ravitaillement. Bon, bah, c'est bien tout ça. C'est très très bien. Le polymère extrême, ouais, bah j'aurais dû aller voir l'autre là pour en acheter, moi. Ouais. Je pourrais faire ça après. J'ai plus de sous, ouais. Alors là, à chaque fois, je loot des objets où il dit que que ça peut avoir de la valeur pour quelqu'un. Bah, je pense que c'est des choses que je peux revendre. Hein. Voilà, et ça aussi. Comme ça, je m'en débarrasse. Voilà, c'est fait. C'est vrai que je fais pas assez les attaques en l'air. Parce que je peux complètement sauter et faire carré, 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 carré. Hein. Ça fait un air combo, mais j'y pense pas parce qu'il n'y a pas de air combo. En tout cas, pas pour l'instant.
j'arrive pas à les surprendre. Laisse tomber. Le truc bleu là-bas là. Ouais, y a vraiment beaucoup d'exploration, hein, putain. Bon. Beaucoup d'exploration. Et on a quoi là-bas? Ça, ça mène où ça? Ah bah ça mène à une mission. Alors je fais quoi? Je descends ou je vais vers la mission? Ouais, c'est un fléau. Viens là. Ouais, j'y arriverai pas. Ils m'ont fait la misère, hein. J'ai claqué toutes mes ressources. Mais bon, il y a un camp juste à côté. J'aurais dû la ramener vers là-bas parce qu'il y a pas mal de caisses explosives. Ça marche bien, hein, les caisses explosives. Hein. Ouais, c'est ça, là, l'insigne, là. J'ai l'impression que... Qu'est-ce que c'est que ça, encore? C'est par là l'histoire principale, hein. Parce que là il y a le marqueur jaune là, tu vois. Ouais, d'accord. Donc je pense que le fil que j'ai débloqué juste avant, c'est un raccourci, je pense, hein. Putain, arrête de gémir comme ça, c'est un truc de ouf. Ouais, et...
D'accord, bon, j'utilise pas assez le flingue alors. Je devrais plus l'utiliser parce que chaque fois il me dit que je peux pas en prendre parce que j'en ai trop. Donc je devrais plus l'utiliser en fait. À chaque fois je me dis je vais le garder si au cas où je contre un ennemi, mais au final je le contre pas et déplacer les objets dans le jeu c'est nul, hein. D'accord, donc il doit y en avoir un troisième à placer. Bon, c'est comme l'endroit où j'étais tout à l'heure, hein, en souterrain. Je pense que ça, ce sont des endroits annexes qui seront indispensables, mais à un certain moment, soit de l'histoire ou soit pour une quête annexe précise, à mon avis. Voilà, une canette. Très bien. Donc, tout ça pour une canette. J'ai vu quelque chose en bas. Ah oui, bah super. Ça, c'est un humain, un souvenir, non? Non, pas un souvenir. Ça donne de l'XP hein, de trouver des collectibles comme ça donne complètement de l'XP. Hein. On peut descendre encore. Ouais, quand même. Bah, c'est pas mal tout ça là. Ben ça va, hein. On peut pas mal explorer là dans cet endroit-là. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien ce qu'ils ont fait. Par contre, là je vois une caisse. Elle a l'air d'être un peu plus bas. Ah mince, j'ai pas. Il faudra que je me rappelle que ici, il y a un coffre. Bon bah c'est bien, j'étais parti pour aller éventuellement lancer la quête. Bon, c'est un autre chemin, la quête en question. Non, n'importe quoi.
Ouais, c'est par là. Donc là, je vais aller voir le fil que j'ai laissé tomber là tout à l'heure. Il faudra pas que j'oublie qu'il y a un coffre ici, hein. Sous l'eau. Bon, Yves, maintenant, dorénavant, je vais beaucoup plus utiliser le flingue parce que là, ça m'énerve de voir qu'à chaque fois, il me dit que je suis à fond au niveau des bastos. Il y en avait un autre aussi sur le pont là. Ah ben super, module d'amélioration du drone. Ah super. Bah, je crois que j'ai mes 3 points là. Est-ce que je peux le voir ici? Tiens d'ailleurs, c'est vrai ça. Est-ce que je peux le voir ici? Ouais, j'en ai 3. Très bien. Là, il y a un camp en bas, mais après, là, c'est la suite de l'histoire, en fait, tout simplement, là, par là-bas. Voilà, un humain qui va certainement augmenter ma vie. Voilà, quand les humains, ils ont l'aura bleu, blanc autour d'eux, comme ça, là, c'est que ça, soit ça augmente les compétences, ou soit ça augmente la vie. Et là, en l'occurrence, c'est la vie. Voilà. Et si j'en trouve encore un, eh ben, ma vie maximum sera augmentée. On va essayer de l'exécuter, lui. Aussi, je peux l'avoir. Là, ça me ramène. D'accord, là j'ai bouclé la boucle là. Ok, bon, très bien. Ah, je pouvais l'exécuter, d'accord. Ouais, ça m'a fait comme tout à l'heure aussi, ça m'a fait la même chose, j'ai été surpris pareil. Bon, polymère extrême, donc c'est bon, je pourrais augmenter ma combinaison. Bon, écoute, je vais m'arrêter là. De toute façon, la capture va s'arrêter. Une bonne heure d'exploration. Comme ça permet de voir un peu tout ce que peut proposer ce projet Eve. En tout cas, dans les terres désolées. Et pour l'instant, vraiment, c'est très bien. J'adore.